Alors aujourd'hui, on va parler de 5 idées reçues sur la périménopause. Alors beaucoup de femmes, et d'hommes aussi, il faut le dire, pensent que la ménopause ne commence qu'à la fin de la quarantaine ou au début de la cinquantaine, mais en réalité, il faut le savoir qu'elle peut commencer dès l'âge de 35 ans. Et oui, c'est un processus progressif qui va commencer 5 à 10 ans avant l'arrêt des menstruations. Les bouffées de chaleur sont l'un des symptômes les plus caractéristiques de la périménopause, mais il y en a beaucoup d'autres, comme les sautes d'humeur, la fatigue, les problématiques de sommeil, les mycoses vaginales, la prise de poids, les pulsions de sucre, l'anxiété, la baisse de libido. Donc la périménopause ne se limite pas juste aux bouffées de chaleur. Alors certaines femmes pensent que la périménopause signifie que vous ne pouvez plus tomber enceinte, ce qui n'est pas vrai, c'est faux. La fertilité diminue, mais il est toujours possible de concevoir, donc attention. Chaque femme vit la périménopause de manière unique. Les symptômes, leur intensité, leur durée peuvent varier considérablement d'une femme à une autre. Vous vous connaissez mieux que personne, alors soyez attentive à tous ces changements que vous pouvez ressentir. Prêtez-y attention. C'est vrai que la période de la périménopause peut être difficile pour certaines femmes en raison des désagréments qu'elle peut engendrer, mais cette période peut aussi être une période de transformation personnelle et de croissance, une nouvelle liberté, un nouveau souffle.